Salut à tous, c'est Kaboz. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Helldivers 2 pour la liberté et la démocratie, bien entendu. Là, je suis parti sur une petite game en ligne avec des randoms, là, des pick-up. On va voir ce que ça donne, la petite game en ligne. Donc, je vais faire une petite démo de la game en ligne pour voir, écouter ce que ça peut donner. À 4, comme ça, sans micro. Tout le monde a son micro coupé, comme vous pouvez le voir. Dans la petite icône micro coupé. Et voilà, je suis avec 3-7 personnes, on vient de faire une mission ensemble, ça s'est assez bien passé, les mecs sont assez efficaces. Je me suis dit, vas-y, je vais enregistrer la deuxième pour la mettre sur YouTube. Et c'est parti. Hop, je vais tout de suite mettre une sentinelle. Putain, ça chie quoi, dans tous les sens. Hein. Où on invoque des trucs là. Ok, on a déjà fait le premier truc. Ouf. La sentinelle fait le taf. On y va, on nettoie pour la liberté et la démocratie, attention. Oh, il y a une frappe aérienne qui arrive. Ah bah voilà, il m'a tué avec sa frappe aérienne. Il a mal joué le gars parce qu'il a vu que il aurait pas dû lancer sa frappe. Ou alors c'est moi qui aurais dû m'écarter, je sais pas. Bref. Ok, donc quel est l'objectif maintenant? Hop, je suis trompé de touche. Faut aller. Elle est là. Hein. Avant-poste d'insectes repéré. Préparez-vous à les exterminer. Insectes, au sud-ouest. Demande de soutien aérien. Voilà. J'essaie d'appeler l'aigle. Ils sont bons, hein. On touche juste avant moi. Et tu vois là, on peut aller récupérer. Il y a des extraits de trucs là. Les échantillons, voilà. Ça joue bien. Franchement, c'est plaisant. Ok, tout le monde est groupé, c'est bien. C'est propre, hein. Franchement, le multijoueur est assez cool et voilà, la personne parle, mais il y a une bonne ambiance dans la team. On collabore. Ah là-bas, il y a un truc. Ah zut, il y a un appel. Hop, je le coupe. Il faut que je le quitte. Attendez, hop, petit correctif. Ah, j'ai coupé l'application qui faisait les appels. Marqueur sur la carte, le sud-ouest. Bon, ma sentinelle va bientôt recharger là. Avant-poste d'insectes repéré. Je demande le soutien d'un aigle. Oh là là, il va y avoir des frappes dans tous les sens là. Vas-y, j'en fais une aussi. Ah, c'est trop bon. On l'a pas eu, hein. Bon. La musique est trop cool, franchement, ce jeu.
Ouf. Allez, allez, allez. Ouh, je l'ai raté. J'ai carrément raté. Oh, ok, on l'a eu. À 4, ça meurt vite. Hein. Pas du tout pareil. Hein. Je vais récupérer un anti-char pour le prochain. Je l'ai en arme 3 du coup. On va avoir 3 armes. Celle que t'appelles, la première c'est la mitraillette. Et la deuxième c'est donc ton arme de poing. Ah, du ravitaillement ce serait pas mal effectivement. Moi je suis les gars quoi, je regarde pas trop la map, franchement, je suis en mode, je me laisse guider quoi. Ah, là-bas il y a quelque chose. Ah, il tente une frappe, faut que je m'écarte. On va essayer de fermer le... Oh là, il y a une incursion. La sentinelle est pas prête. Ah, il les a fermés avec une attaque aérienne, tiens. Ah, là-bas il y a du monde. Hein. Ok, il reste un fermé, j'essaie de le fermer à la greu. Hey, GG. Franchement, c'est propre. Propre de fou. Là-bas, il y a notre pote qui se bagarre. Je vais essayer d'aller l'aider, même si ça va pas être l'objectif principal, mais je vois qu'il est en galère. Je suis venu pour l'aider, mais il s'est bien démerdé tout seul. Alors, un petit coup d'œil sur la carte. Ouais, c'est bien par là qu'il faut aller. C'est parti. Ah, ça trace, hein. Bon, ça rigole pas. C'est quand même plus sympa quand tu joues avec tes potes, mais bon. Pour faire quelques missions comme ça, sur la post-déj, j'avoue, c'est cool. Mettre une sentinelle ici. Ah, 3 secondes, ouais, c'est bon. Hop. J'arrive toujours après la guerre. C'est le gars qui arrive en retard, tu sais. J'ai trouvé quelque chose. Des fois, il y a des corps d'insectes comme ça qui volent, qui sont buggés, c'est marrant. Il me faut une arme de sauvegarde. Moi, j'ai mon... Il y aura Vito qui arrive. Je vais trouver le chargeur là, je vais lui mettre un coup de... On dirait qu'il l'a trouvé l'autre. Oula. Ah, ils l'ont éliminé, c'est bon. J'ai rien fait dans cette mission.
Si j'ai loupé, j'ai tiré une roquette à côté tout à l'heure. J'essaie de faire une sentinelle si je peux. Non. Je peux pas. Non, oh, derrière moi. Ah, c'est trop classe de sauter comme ça. Trop bien. Sentinelle. On va mettre une là. Là-bas, 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 il y a besoin de démocratie. Ah, j'ai pas de... Ah, c'est mal en fait une. Voilà. Beau gosse, hein. Franchement, c'est propre, la petite partie multijoueur, là. Ça joue bien. Ça joue... Franchement, ça joue propre. C'est cool. Voilà, bah, la mission, on avait 40 minutes pour la faire. Elle est déjà finie, hein. Il nous reste 27 minutes, là. J'ai plus de balles. Il me faut des balles. Ah, je vais pouvoir faire une frappe aérienne aussi bientôt. À fragmentation. Ah, c'est sécurisé à la zone, non? Ah, c'est bon. Allez, pour le plaisir, j'ai balancé une dernière attaque aérienne. Voilà, c'est ça qu'on veut. Attention, il va atterrir. Go. GG. Bah voilà, c'était la petite game en ligne. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment une petite vidéo très rapide pour vous montrer un petit peu comment ça se passe à 4. Là, vraiment random. Hein. Je suis parti avec 3 gars que je connaissais pas. Comme ça sur une partie sur le net, plutôt agréable, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, dites moi dans les coms. Et puis voilà, bien à bientôt sur la chaîne Cabos pour d'autres aventures. On va regarder avant de nous quitter les stats de la partie, voir si j'ai été bon. Mais j'ai pas buté beaucoup de mobs, les mecs ont bien bossé pour moi, donc je vous avouerai qu'à mon avis mes stats doivent être un peu dégueulasses. Et voyez, ce qui est cool, c'est qu'on a fait pas mal, voilà, on a tous les avant-postes, on a fait un objectif facultatif. Donc on va gagner pas mal d'XP sur cette game, je pense. Et là, je suis à 331 XP de gagner. Tour 381, donc c'est vraiment pas mal. Donc on gagne des petites médailles, ça c'est cool, des petites médailles aussi. Donc on va voir ça, on va voir les stats, tu vois, j'en prends, hop, paf, 414 XP en tout, hein. Voilà, on a fait progresser un petit peu l'objectif global. Et on va aller voir les stats et puis après on va s'arrêter là.
pour cette vidéo, qui sera une vidéo assez courte, hein, comme je vous le disais. Alors, c'est parti pour les stats. D'abord, la victoire, la célébration. Ah, les stats. Tu vois, je suis à 52%, c'est pas tête. Lui, à 71, tu vois. Nombre de victimes, lui, il en a cartonné. La fratricide, j'en ai pas fait, tu vois, lui, je suis mort une fois quand même. Bref. Voilà, bah écoutez, à bientôt sur la chaîne Kaboss pour la suite des aventures sur Helldivers 2. Allez, ciao, bye.